coup, c'est parti pour l'ouverture de l'enveloppe numéro 21. On approche de la fin. J'ai hâte de découvrir ce que c'est. Alors, au toucher, je pense que c'est un embellissement en bois. C'est quelque chose d'assez grand. Je sais qu'ils ne mettent pas de grande aille. Donc, forcément, je pense que c'est un embellissement. Et c'est ça. C'est un embellissement en forme d'arbre. J'aime bien. Après, voilà, comme je disais, les embellissements bois, c'est pas trop mon délire. Je cherche les autres. Attendez, ils sont là. Du coup, voilà, on en a eu 4 pour le moment. Je ne sais pas s'il y en aura en plus ou pas. Donc voilà les embellissements bois qu'ils nous proposent. Les derniers, je trouve, ce sont les plus sympas. Ils sont assez ajouré, on va dire, par rapport au premier. C'est un peu moins mon style. Je pense que les embellissements de bois, je les mettrai dans l'eau du concours. J'en garderai peut-être un, à la limite, et encore. C'est pas sûr. Donc voilà, je pense que je les mettrai dans l'eau concours. Après, est-ce que je ferai un ou deux lots? Je sais pas encore. J'y ai pas encore réfléchi. On n'est pas encore aux 500, donc pour le moment, je me penche pas trop sur le sujet. Donc voilà, dites-moi si ça vous intéresserait. Je vous ai demandé l'autre fois, vous m'avez pas répondu. Si jamais je fais le concours, enfin, quand je ferai le concours, si ça vous intéresse d'avoir les embellissements en bois, quels sont vos préférés, si vous avez des préférences. C'est peut-être pas la peine que je mette les 4, hein, si vous en préférez un ou deux. Ou voilà, n'hésitez pas à me dire, parce qu'après, si vous en préférez que deux, je peux en limite en mettre deux dans le lot du concours. Et les autres peuvent me servir de petits cadeaux à l'occasion quand je fais un envoi à une scrap copine, par exemple. Donc voilà, aujourd'hui c'était le numéro 21. Je vous dis à demain pour l'ouverture du numéro 22. Ciao, ciao!